And now it's my pleasure to invite Dr. Gaston Cabaret to make the convocation address. Dr. Cabaret? Bonjour à tout le monde et vous pouvez comprendre que je suis très ému. D'abord par tout le protocole de cette cérémonie, mais je vais essayer de retrouver mes esprits et faire les choses comme il se doit. Monsieur le chancelier, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Recteur et Vice-Chancelier, invités d'honneur, chers diplômés, chers parents et amis, rien ne pouvait me laisser penser qu'un jour je serais l'objet d'une telle distinction, mais les choses arrivent parfois, pas seulement du fait de notre mérite personnel, mais aussi parce qu'il y a des personnes généreuses qui donnent de la considération au travail que nous faisons avec beaucoup de modestie et d'humilité. Le mien, c'est de faire des films, de raconter des histoires, d'essayer de parler de ma propre vision du monde, de ma société, de mon peuple, de ma culture, mais aussi d'essayer de parler de l'humanité dans sa grande dimension universelle, parce qu'au fond, ceux d'ici comme d'ailleurs, nous partageons le même destin, celui d'être des êtres humains et d'essayer de construire chaque jour un monde meilleur, un monde où il vaut la peine de vivre, et surtout un monde que nous allons laisser en legs, en héritage à ceux qui vont nous suivre. Voilà un peu ce qui me porte dans ce que j'essaye de faire. Et en tout état de cause, ici, à l'Université de Concordia, j'ai trouvé une terre d'accueil et j'aimerais remercier avec énormément d'émotion les personnes qui ont proposé que je reçoive cette distinction, mais aussi les personnes qui ont accepté et qui ont pensé que j'étais digne de recevoir cette distinction. Merci infiniment. Mais je disais, Concordia, c'est aussi l'hospitalité pour mes films. Et quand vous faites un film, après, il ne vous appartient plus. Votre film appartient à tous ceux qui le regardent et qui le regardent avec leur propre histoire de femmes et d'hommes, avec leurs propres envies et désirs. Et c'est comme cela, je pense, que les films s'enrichissent de l'expérience, du vécu de chaque spectateur. Et moi, je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont vu mes films et qui les ont aimés. Et c'est pour cela que, plutôt que de faire beaucoup de discours, j'aimerais prendre le risque de vous chanter quelque chose. Non pas que je sois un très bon chanteur, loin de là, mais ça me donne l'occasion de parler ma langue maternelle, et c'est aussi une chanson qui est dans le premier film de long métrage que j'ai fait, intitulé « Wen Kuni, le don de Dieu ». Et dans ce leitmotiv qui est la musique principale du film, on dit dans ma langue que si l'oiseau se pose sur l'arbre, c'est à cause de son ombre. Voilà, sur une souche desséchée, l'oiseau n'a pas plaisir à se poser. Donc Concordia University pour moi est un arbre plein de feuillage et d'ombre, où j'ai eu plaisir à venir par le passé
mais où j'aurai encore plus de plaisir à venir d'autres fois. Alors, je vous ai traduit la chanson, je vais essayer de la chanter. Adia mas mingaya la luilizonda, mas mingaya la luilizonda, saya quin quin quenga lui la consonde, quin quin quenga lui la consonde, yeti amas mingaya la luilizonda. Voilà, merci. Alors, à l'adresse des diplômés, voilà, qui sont, pour certains, pourraient être mes enfants, mes petits frères de loin en tout cas, voilà, j'aimerais simplement vous dire que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Je pense que vous êtes déjà méritants puisque vous allez recevoir vos diplômes aujourd'hui, mais je pense que le diplôme n'est que le début, peut-être, de votre carrière. Et ce qu'il faut, c'est mettre beaucoup de passion, beaucoup de rigueur et de discipline dans votre métier. La plupart d'entre vous sont de la faculté des Beaux-Arts. Et donc, je peux dire que ce qui est le plus important, c'est vraiment ce que vous portez dans votre cœur et dans votre âme. Et je dirais que je compte sur vous pour aller plus loin, plus haut, pour faire mieux que je n'ai essayé de faire, parce que je veux que vous soyez à nouveau un exemple pour moi, parce que je compte continuer de faire des films, parce que finalement, c'est le seul métier que j'ai appris. Merci pour l'amitié de tous, et vive l'Université de Concordia. Merci infiniment.